complexe, je le suis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Alors, ça vaut pas le coup? Oui, vous préférez être à la plage accompagné d'une mannequin, mais oui, vous préférez une bonne grosse petite portion. C'est pas ma faute si vous avez mauvais goût. Alors, moi, je voudrais aujourd'hui faire un spectacle. Eh bien, le premier spectacle sur la loi d'attraction. Vous voulez pas? Oui. Hein? Mais alors, évidemment, mesdames, je vais pas vous attirer l'homme de votre vie. Mais, messieurs, oui. Oh, mon chéri, tu vas souffrir en plus. Bon, assieds-toi. Non, tu feras rien. Il y a rien. Tu vas rien. Bon, on fait comme si tu n'étais pas marié. Donc, la loi d'attraction, c'est que vous allez projeter une femme idéale, certainement votre femme, mais idéale, d'accord. Et effectivement, après, je vais faire... Et je vais trouver la porte de votre vie. Alors, monsieur, nous allons vous permettre que je vous mette un petit loup. Non, mais c'est pas que... Non, mais vous n'avez rien à faire, hein. Non, non, juste de penser. Vous êtes capable de penser. D'accord. Vous avez l'air intelligent, vous avez l'air 4 supérieurs. Alors, on va vous mettre en condition pour que... Alors, vous savez, comme dans les cabines... N'ayez pas peur. Mais les cabines, vous savez, les cabines de dons de sperme, on fait des petites... Bah, écoutez, c'est d'accepter, quoi. On met les petits bouquins de cul, on met les vidéos. Là, j'ai pas les moyens. Donc, c'est vous qui allez le... Vous avez simulé? Vous avez simulé? Alors, monsieur, vous allez imaginer bah, vraiment des bombasses là. Mais elles n'ont pas fait encore, elles n'ont rien fait. Allez, on y va. Alors, ça monte. Moi, ça a commencé avec ma cousine Amandine. Amandine. C'est très joli, Amandine. Elle m'a invité mes premières vacances à la mer à Palavas-les-Flots. Ça fait rêver, hein? Ouais, c'était dans les années 1977. Et si vous voulez bien, on peut se replonger dans l'ambiance, ça vous dit? Oui. 1977? Oui. Vous étiez bien né, hein, ça. Hein? C'était l'époque du topless. Ah
Ben, le topless, c'est là, pour l'âge tout, là. Hein? Bon, et ben, pour les adolescents, c'était traumatisant, c'était pas top. Parce que les seins, vous savez, les seins d'adolescents, ça pousse pas synchro. Et encore quand ça pousse. Il y a toujours un qui est plus que l'autre. Et moi, j'ose pas vous dire comment j'avais les seins, j'ai tellement honte encore. J'ose pas vous dire. Devinez, c'était un fruit. Quoi? Non, pas de steak. Non. Allez-y. Oh, vous n'avez pas trouvé. Hein? Non. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Banane. Mais pas comme ça, hein? En courbée. J'ai jamais vu une autre nana que moi avoir ça. C'est une note de ma bouche. Il n'y avait qu'un plus gros clown avec deux gros putains. Même les bananes sur la plage, je ne voulais pas les lâcher, moi. Alors, il y avait aussi nos mères qui nous complexaient. Moi, j'avais une amie qui s'appelait Marie-Hélène, d'un milieu très bien, catholique, pratiquant, très bien. J'aimais beaucoup les fesses de Marie-Hélène. Elle était calée pige. Vous savez, elle avait cette graisse de collégienne. C'est-à-dire un peu... C'était rebondi, et puis en plus, elle était mate de peau. Moi, j'aimais bien, je trouve que c'était joli. Elle me dit, oh non, ne me parle pas de mes fesses. Maman me dit que j'ai la fesse vulgaire. Ah oui, parce que dans certains milieux catholiques, très bien, bourgeois, il faut que la jeune fille soit faite comme un cierge pascal. Tout droit, sans forme, rien qui puisse avoir un caractère chirurgical, à part le... Ça, ils l'ont pas vu partout dans le temps. Alors Marie-Hélène, elle était comme ça. La pauvre, elle était complexée. Et elle enviait les miennes. Je n'ose pas vous dire comment j'avais la fesse, parce que je sais que je vais provoquer l'écœurement total des nanas. Non, mais je sais, ça va être, je vous le dis, ça va être dur. J'avais la fesse en goutte d'huile. Mais je vous rassure, j'ai 51 ans et demi. Depuis, la petite goutte d'huile, elle s'est reproduite. Du coup, j'ai un cul comme un Kunyama. Messieurs, parce que si nous sommes si complexés, nous sommes justement, vous avez une carte à jouer, nous sommes extrêmement sensibles à la flatterie, au compliment. Je vous fais une femme qui n'a pas reçu de pas de compliment. Oui. Faites-moi un compliment, vous allez voir. Faites-moi un compliment. Oh, elle est belle, c'est belle. Tu es belle. Oui, mais un mec. J'attends, vous êtes effectivement, la preuve est faite, très maladroit pour trouver les compliments. Vous êtes naze, hein, complètement naze, hein, vous savez pas les faire. Il y a beaucoup de choses à flatter. Vous n'avez pas chez Paul Briand? Parce que dis donc, hein, le boulot qu'il y a, hein. Oh là là. Mais dites-nous au moins que nous prenez des notes. Que vous avez... Oh, qu'est-ce que tu as, la chevelure envoûtante. Deep points, mais après. Deep points, c'est dit, la chevelure. Et puis alors, messieurs, hein, qu'est-ce qu'on peut se travailler l'arrêt pour vous? Je ne sais pas où elle en est, là. Je vais déjà surveiller tous les jours, moi. Hein. Ah, Larry! Oh, Larry! Qu'est-ce qu'on peut se la bosser? On ne veut pas plus, évidemment! Mais c'est le cata, cette paye! J'en peux plus, moi! Non, mais ça commence! Alors, d'abord, il faut que la paye, elle tombe, hein, parce qu'il faut que la paye ait l'arrêt de couleur. Hein. Voilà. Et après, ça grisoue tout le mois, et tu dis, oh putain, pourvu que j'atteigne pas les 10 cm avant la prochaine paye! Oh, c'est horrible! Là. Et alors les coiffeuses, elles sont intelligentes, elles ont des collades de coiffeuses. Elles nous trouvent des idées géniales. Plus on vieillit, excusez-moi mesdames, plus elles nous veulent blondes pour couvrir les cheveux blancs. Ça commence à savoir, parce que maintenant quand tu vois une femme blonde, tu dis, ah ben elle a 95 ans. Conseil, le rayon d'Arty. Glace grossissante.
Bien les poignets. C'est d'un rayon d'une perversité, vous imaginez même pas. Hein. Ah si, en plus, ils vous le mettent sur, au bout des deux bras mécaniques comme ça, là. Et elles sont là, alors quand tu passes, tu peux pas résister, tu peux pas résister. Alors tu te regardes, et là, oh putain. Là, t'as le comédon qui te pète à la gueule. Ah, c'est pas le comédon, c'est le cratère. C'est Vulcania. Ah putain. Et t'as qu'une envie, c'est quicher. Faire l'éruption. Mais tu peux pas quicher, Ginardi. Alors tu rentres dans ta petite bagnole, tu rentres chez toi, tu vois devant la glace, et là tu le trouves pas. Il est beau comme une tête d'épave, évidemment, tu vois pas. Ginardi, il est venu comme ça. Un complexe énorme. Alors tu vas chez Brochet. C'est le Brochet avec Brochet. Allez, Brochet. Je les déteste, les Brochets. Alors t'arrives, t'as toujours une connasse. Il te reçoit avec un grain de peau, mais des plus fins. Mais c'est pas possible. Qui te demande c'est pourquoi? Ben tu réponds, c'est pour un soin du visage. Elle me dit, alors c'est un reliftant, capitalisant, régénérant. Il dit non, c'est un désincrustateur. Un démineur. Elle dit alors vous lui dire un purifiant. Il sait ça purifie-moi la gueule. Et là la salope, elle te met un heure une espèce de loupe. Tu trouves même pas ça chez l'arty. Une loupe comme ça, avec un néon tout autour. Et tu mets ça autour de la gueule. Oh là là là. Et là, les filles, personne ne nous contredira. Tu te sens comme une pizza 4 saisons aux olives noires. Comme ça. Ouh là là, il y a du travail. Attaque. Oh putain. Et elle t'attaque la désincrustation de ce qu'on appelle les ailes du nez. Oh putain, tu t'envoles pas. Ah, il y a toujours le bruit. Oh, tu pleures. Et après, t'amènes la glace. Alors, on n'a pas fait un bon travail. Quand tu te vois, tu te trouves les tous à gueule. Je peux pas vous maquiller. Ah bah merci. Là, il faut que ça cicatrise. Et après le coup pervers, elle t'enlève le bandeau. Ah t'avais pas compris quand elle te l'avait glissé. Elle te l'enlève, ça te nique la coiffure. T'as l'air d'un rugbyman de troisième mi-temps. Oh putain le look cutin. Et vous oubliez pas que Yves Rocher est toujours en plein centre commercial. Qu'il faut traverser jusqu'à la bagnole avec ta gueule de Alors mesdames, messieurs, continuez à vous laver le cul sans miroir, je m'en fous. Mais continuez surtout à aller au spectacle. Vivant !